Le groupe de concertation de bassin versant de la zone Bécancour-Grosbec est en train de réaliser des interventions concrètes pour assurer la survie de la salamandre pourpre, une espèce emblématique des ruisseaux des Appalaches et qui actuellement porte le statut d'espèce vulnérable en vertu de la loi sur les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l'être. Alors bonjour, mon nom c'est Laura Molina, je travaille pour les Grosbec comme chargée de projet, je suis biologiste de formation. Les Grosbec c'est le groupe de concertation de la région de la zone de la rivière Bécancour. Puis je suis avec ma collègue Shelby. Bonjour, je suis Shelby Maheu, je suis chargée de projet pour le Grosbec. Puis je suis technicienne en bioécologie de formation. Alors, on se trouve à Saint-Ferdinand. On est dans un centre d'intransectes où on étudie l'occurrence de la salamandre pourpre. Et on fait plusieurs transectes dans cette région-là. On fait des transectes de 25 mètres à chaque 200 mètres de distance un des autres. Puis, dans ces 25 mètres, on va regarder toutes les roches qui se trouvent dans les ruisseaux. On va essayer de toutes les bouger pour essayer de trouver des salamandres. On est maintenant à côté d'un pont parce que dans le fond, les ponts peuvent avoir un effet sur l'habitat des salamandres. Et pour voir c'est quoi cet effet-là, on fait des transectes avant les ponts et après les ponts, toujours. Alors on est en train de faire celui qui est à l'avant. Ouais. C'est pas le plus beau de tous les contextes parce que c'est juste à côté d'un pont, mais on veut voir les effets du pont dans l'espèce, alors c'est quand même important de les faire avant et après chaque pont. Alors c'est pour ça qu'on va les faire. On va les faire ici. Ok, alors je pense que ça va finir quelque part là. Oui, ici. Okay. Bon, fait que. Mais on a besoin de tout là-bas. Ouais, mais je vais juste prendre tes trucs dans ton sac. À la suite des discussions avec le ministère de l'Environnement, le Grosbec a mis sur pied un projet visant à émettre des suggestions, interventions et aussi aménagements prioritaires pour améliorer la situation. On prend toutes nos données là. Alors, tout ce qui est comme des points de géoréférence, parce qu'on veut savoir où est-ce que se trouvent les débuts et la fin de chaque transect. On doit mesurer les transects pour s'assurer que c'est autour des 25 mètres. Puis si jamais on trouve l'espèce ou toute autre espèce qui est vulnérable ou menacée ou qui pourrait devenir vulnérable ou menacée, on doit prendre un GPS aussi, un point exact pour des futures études et juste pour qu'on sache exactement où est-ce qu'elle se trouve. Merci. Parfait. Si jamais tu sens vraiment... Victor Coup? Oui. Mais sérieux, c'est parfait. Je pense que ça va bien marcher. Ouais. Mais si jamais ça marche pas, j'en ai d'autres. Ok, parfait. Le filet, il brise beaucoup. Ouais. C'est comme... le parcours. Donc, on a besoin, premièrement, d'une sonde qui est dans mon sac à dos en ce moment. On va la voir plus tard. C'est une sonde qui va prendre tous les paramètres physico-chimiques de l'eau. Donc, on va regarder l'oxygène dissous, la température, la conductivité, et puis d'autres paramètres, là, le pH aussi de l'eau, qui vont vraiment influencer s'il y a une salamandre, si dans le fond, il y a la présence de salamandre. Ensuite, on utilise des filets comme ça, c'est pour attraper en fait les larves et les salamandres, puisqu'ils sont aussi aquatiques mais terrestres. Les larves sont vraiment plus aquatiques, right? Ok, parfait. Puis elles sont toutes petites comme ça, là. Elles sont vraiment pas très grandes, fait que ça va mieux les voir quand on utilise les filets. Puis sinon, dans mes mains, j'ai les bouteilles pour mesurer la turbidité. Donc ça, c'est sur une machine qu'on a au bureau. Donc, on prend juste un échantillon d'eau, puis on va faire ça plus tard. Puis, sinon, bien, on a un galon à mesurer pour mesurer la profondeur de l'eau. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est tout ça, les paramètres. Ça, oui. Ouais. Plusieurs menaces pèsent sur la salamandre pourpre et ses habitats, tels que le développement résidentiel et commercial, l'agriculture, l'aquaculture, la production d'énergie, les corridors de transport et aussi l'exploitation forestière. Alors, ce projet, c'est un projet de conservation de la salamandre pourpre pour améliorer l'environnement de cette espèce-là. Ce projet est né dans le cadre de Grosbec,
on a eu un intérêt à vouloir étudier l'espèce et trouver des façons, des moyens d'améliorer son habitat dans la région, vu que l'espèce se trouve vraiment au cœur du bassin versant de la rivière Bécancourt. On voulait faire un projet où on peut créer des solutions pour améliorer l'habitat de l'espèce, en plus de confirmer la présence de l'espèce, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui se font sur la salamande pourpre. Ça fait 10 ans dans la région qu'on ne l'a pas étudiée, alors on ne savait pas si elle était présente maintenant, si elle est présente maintenant dans la région. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à faire ce type de parcours et qui conforme l'équipe aussi? Okay. Alors, on a commencé cette année, dans le fond, on a commencé au printemps. C'est un projet qu'on fait aussi en collaboration avec les bureaux d'écologie appliquée, les BEEA. Eux, ils ont fait les inventaires ce printemps, puis nous, on fait les inventaires cet automne. Alors, on vient juste de commencer le projet. L'idée, c'est que le projet va se parcourir pendant 2 ans. On fait cette année l'inventaire des salamandres et des ménazes. Pour l'année prochaine, pouvoir proposer des aménagements qu'on va proposer à tous les propriétaires. Et si eux, ils sont d'accord, on va faire des aménagements chez eux l'année prochaine. C'est qui conforme l'équipe pour faire les parcours, pour faire la recherche, tout? Alors, on est à Grobec, on est une équipe quand même assez diversifiée, mais dans ce projet, c'est des biologistes. Moi, je suis biologiste de formation, puis je travaille avec mes collègues qui sont tous aussi formés en bioécologie ou en biologie aussi. On est des groupes de 2 personnes, on va dans les ruisseaux, puis on cherche les salamandres ensemble. C'est surtout des membres de l'équipe, on a aussi des techniciens qui viennent avec nous. Quand tu dis raison, qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est justement la rivière que vous visitez plus souvent? Comment ça marche ici dans la région? Alors, ce projet est basé dans une recherche qui est arrivée, qui a été faite dans la région et ça fait 10 ans. Cette recherche-là a identifié des endroits où l'espèce se trouve, l'espèce des salamandres pourpres, et ils ont identifié 10 points d'occurrence. C'est des petits ruisseaux. L'espèce de la salamandre pourpre aime les ruisseaux très petits, des fois des ruisseaux intermittents, on appelle ça. Alors, ce n'est pas des grandes rivières, c'est vraiment des petites coulées d'eau avec beaucoup de mouvements, d'eau oxygénée, beaucoup de roches. Les sols et un gravier ou un roche en général. Puis il y a peu de poissons. Dans le fond, c'est un peu ça les caractéristiques des ruisseaux que les salamandres elles aiment. Et nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les points qui ont été étudiés ça fait 10 ans, puis on est allé aux mêmes endroits pour voir si l'espèce est encore présente 10 ans après les occurrences ont été identifiées ça fait 10 ans. Alors, c'est des ruisseaux qui sont un peu éparpillés dans toute la région des Chaudières-Appalaches. On a Saint-Ferdinand, à Irlande, Kinner's Mills, à Saint-Julien, on a un Saint-Sylvère. Alors, c'est un peu éparpillé tout autour de la Bécancourt. Alors, on va pour l'inventaire des occurrences. On suit le protocole proposé par le ministère de l'Environnement. Puis, on fait 25 mètres où on se divise la rivière en deux. Shelby fait une moitié, moi je fais l'autre moitié. L'idée c'est qu'on va soulever toutes les roches qui peuvent être des abris pour les salamandres, qui sont plus grandes de 6 cm et qui sont enfoncées mais pas plus que 2/3 dans l'eau. Puis on va aller voir toutes les abris qui sont aussi à 1 mètre à côté de la rivière. Puis on va faire ça tout le long. Ça peut prendre des fois 30 minutes, des fois ça peut prendre 40 minutes. Ça dépend de combien de roches il y en a dans son transect. C'est grand parce que vu que les salamandres respirent par la peau, ils sont vraiment sensibles à toutes sortes de chimiques. Puis nous, on a beaucoup utilisé des choses avant de venir ici pour calibrer la sonde. Ainsi que ça peut être juste des savons des fois ou d'autres chimiques qu'on peut mettre dans la peau comme la crème solaire. Alors pour éviter de rendre les espèces ou les salamandres en contact avec ces chimiques-là, on utilise des gants. Puis l'oxygène dissous? 97,2%, puis 10,21 mg par litre. Et la conductivité? 169,5. Liste. Tu avais pris la température? Mm-hmm. Okay, oui. Parfait. Est-ce qu'elle est encore à 12? Oui. Parfait. On rend toute l'information dans la tablette. Dans le fond, c'est très important de noter les points exacts de tous ces paramètres-là,
parce que cette espèce est très sensible à tous les paramètres dans l'eau. Alors, la température, c'est un facteur qui est très important. Alors, on veut voir si peut-être le fait qu'on voit beaucoup de salamandres ou pas beaucoup de salamandres est en lien avec la température de l'eau. Pareil avec la conductivité, ça va nous dire un peu aussi si peut-être les sels qui se trouvent dans les routes vont avoir un effet dans l'eau qui va avoir un effet dans la vie des salamandres. Et c'est pareil pour les pH. Alors, on regarde aussi les pH pour voir l'effet qu'elle a dans cette espèce. Vu que les salamandres, ils respirent par la peau, ils sont vraiment sensibles à toutes les chimiques ou les changements dans leur environnement. Alors, c'est aussi important pour ça de savoir c'est quoi les paramètres qu'elles aiment généralement, puis qu'est-ce qui peut nuire à leur survie dans la rivière. Et si on parle d'ici à San Ferdinand, bon, quels sont les trajets que vous faites? Alors, on a fait juste un point, un trajet qu'on fait à San Ferdinand, qui est le site qu'on est allé visiter aujourd'hui. C'est des trajets de 1,5 km à peu près. Puis, on fait des inventaires de 25 mètres à chaque 200 mètres. Alors, on fait au total quelque chose comme 6 à 7 inventaires par parcours qu'on fait à chaque endroit. Combien de kilomètres vous faites par jour et combien de jours à la semaine vous les faites aussi? Alors, ça dépend. Les inventaires, on les fait, sont très précis parce que, dans le fond, l'espèce est très sensible à beaucoup, beaucoup des éléments. Puis, un des éléments avec les salamandres en général, c'est qu'ils sont très sensibles à la température. Vu qu'ils respirent par la peau, quand c'est très chaud, elles ne vont pas sortir. Alors, elles sont très actives plus dans les moments les plus froids de l'année, mais pas l'hiver, mais plus, on dit, au début de l'été, plus le printemps, puis à la fin de l'été, on dit plus à l'automne, qu'elles sont plus actives. Et c'est une espèce qui est nocturne, alors elles vont sortir plus la nuit, puis qui aime beaucoup la pluie. Alors quand il pleut, elles vont sortir. Alors si on va faire des inventaires l'été, c'est trop chaud, on ne va pas les trouver. Alors on fait les inventaires surtout au printemps, puis en automne. Laura, on va parler plus de la salamandre. Parlez-nous de l'espèce et pourquoi c'est important de conserver l'espèce salamandre pourpre ici, dans la région. Oui. Alors, la salamandre pourpre, c'est une salamandre qui est vulnérable. On ne la trouve pas beaucoup, elle est rare, elle est difficile à trouver. C'est une salamandre des ruisseaux et c'est une des salamandres la plus grande des ruisseaux qu'on a à Québec. Elle mesure des 15 à 20 cm quand elle est adulte. C'est une espèce qui vit longtemps, elle peut vivre jusqu'à 10 ans. L'état larvaire de cette espèce, alors quand elles sont bébés, c'est des 4 ans. Puis elle va après devenir une adulte plus tard et c'est là où elle va pouvoir se reproduire. Alors c'est comme un temps de vie qui est assez long pour une espèce comme les salamandres. Puis cette espèce est vulnérable à cause de plusieurs facteurs. D'un côté, c'est les spécificités de ses besoins de vie. Dans le fond, elles ont besoin d'un environnement qui est très spécifique, des ruisseaux très oxygénés, de l'eau froide, à nos montagnes. Normalement, elles ne vont pas vraiment se trouver dans des sites plats. Elles vont vraiment chercher les débuts des ruisseaux. Alors vraiment, elles vont être en amont de tous les ruisseaux qu'on a trouvés. C'est une espèce qui, on la trouve juste ici au Canada. Dans le fond, on la trouve juste dans la région des Chaudières-Appalaches. On est dans la partie nord de toute sa distribution. On la trouve aussi aux États-Unis, mais dans ce qui est le Canada, elle est juste dans cette région précisément. Puis les salamandres en général sont très importants parce que les salamandres, comme elles respirent par la peau, elles sont très sensibles à tout ce qui se passe dans l'environnement. Alors on dit qu'elles peuvent vraiment nous donner un indice de ce qui se passe dans la nature, si leurs écosystèmes sont en santé. Alors on dit qu'elles sont des indicateurs de santé de l'environnement. Et elles sont aussi importantes parce qu'elles sont des bons prédateurs. Alors les salamandres pourpres, elles peuvent manger beaucoup, beaucoup d'autres salamandres, mais beaucoup de petits insectes, des vers de terre. Puis elles jouent un rôle vraiment d'équilibre de tout ce qui est l'écosystème des ruisseaux, parce qu'elles vont vraiment, comme elles vont éviter qu'il y ait trop d'espèces d'une sorte ou trop de salamandres d'une certaine espèce dans les ruisseaux, elles vont vraiment créer une sorte d'équilibre dans l'écosystème. Puis toutes les salamandres aussi, elles vivent dans la terre, alors elles vont vraiment faire des tunnels, des fois elles vont s'enfuir dans la terre, puis cette partie-là d'aller dans la terre va vraiment pouvoir aider, elle peut aider à tous les cycles
du sol, dans le fond. Alors, elles jouent aussi un rôle important dans la terre. Les salamandres aussi, elles vont créer une connexion entre les écosystèmes terrestres et aquatiques, vu qu'elles vivent un peu dans les deux écosystèmes, dans l'eau puis dans la terre. Elles vont vraiment créer une sorte de connexion entre ces écosystèmes-là. Aller chercher des larves et des adultes. L'idée, c'est vraiment d'identifier quel type de salamandre on voit. Avec les larves, c'est plus petit parce que les larves de plusieurs espèces se ressemblent. Alors, on ne va pas aller à les identifier jusqu'à l'espèce, except pour la salamandre pourpre, parce que la larve de la salamandre pourpre est vraiment plus grosse. Elle est très belle. Elle vit 4 ans comme larve. Alors, on va la voir plus clairement, puis on va être sûr que c'est comme la larve de la salamandre pourpre. Si on en trouve, on va vous montrer. Est-ce qu'on fait un exemple? Oui, puis on va faire un exemple de salaire de quoi, ouais. comment on gratte. Parce que les larves, elles vont vraiment se trouver dans le sol du ruisseau. Alors, on va vraiment gratter la terre pour essayer de les trouver. Alors, on va pouvoir faire un exemple. Veux-tu le faire, Shelby? Oui. Mettons, pas celle-là que j'étais dessus, là. Celle-là, mettons? Oui, essaye. Aïe. OK. En gros, on va lever la roche, puis on va gratter comme ça, le plus possible. Là, ensuite, on va regarder dans les sédiments. Voir si on en a. J'en ai une ici. Ah, bon, parfait. Je vais essayer de te la montrer. Elle est comme vraiment petite. Je ne sais pas si tu peux la voir. Alors, elle respire par les branchies qui se trouvent à côté de la tête. Elles sont juste aquatiques. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais elle est juste ici. Elle est très petite. Elle mesure à peu près comme 2 cm. Elle, on ne peut pas l'identifier au niveau d'espèce parce que plusieurs espèces de salamandres en forme larvaire se ressemblent beaucoup, mais c'est une larve. En fond, c'est une bébé salamandre. Après que les œufs, ils clôt, alors quand ils sortent des œufs, ils ont une forme de larve comme ça. Dépendamment de l'espèce, elles peuvent rester dans cet état-là une année, 2 années. Puis comme avec la salamandre pourpre, ça peut être jusqu'à 4 ans. Mais la larve de la salamandre pourpre, elle va grandir jusqu'à 11 à 12 cm. Elle va être quand même beaucoup plus grande. Celles-ci, elles vont grandir aussi, puis elles vont avoir, on va voir si on trouve une plus grosse, mais elles peuvent mesurer jusqu'à 5 à 6 cm. Puis elles vont vivre la métamorphose, comme ce qui arrive avec les papillons et les grenouilles, où elles vont vraiment changer, des pattes vont sortir et ils vont devenir des adultes après un hiver ou deux hivers. Et les adultes vont pouvoir vivre à l'extérieur de l'eau puis à l'intérieur de l'eau.
Alors, les salamandres, en général, elles vont avoir un moment de reproduction qui va arriver à les printemps et l'automne. Avec la salamandre pourpre, ça va être dans les deux moments de l'année. Puis, dans le fond, les mâles et la femelle vont se rencontrer dans un endroit. Les mâles vont caresser la femelle un peu autour du cou pour les stimuler, puis vraiment faire un signe que c'est le moment de la reproduction. Puis, ils vont monter un sur l'autre, mais tout ce qui se passe avec la reproduction, c'est externe. Alors, les mâles, une fois ils sentent que la femelle est réceptive, ils vont déposer les spermes toutes dans une gélatine un peu par terre. Il va bouger, puis la salamandre femelle, elle va arriver après, puis c'est elle qui va prendre les spermes dans son corps. Puis la fertilisation va arriver de façon interne, mais c'est elle qui va le faire toute seule. Puis c'est plus tard qu'elle va pondre de ceux dans l'eau, après le temps d'accouplement. Et combien de bébés peuvent avoir les salamandres? Et ça peut être beaucoup. Elles vont quand même pondre une groupe d'œufs assez élevée, mais c'est très peu le nombre de œufs qui vont survivre dans le fond et qui vont pouvoir passer à l'état des larves pour après devenir des adultes. Alors les taux de survie, comme les taux de capacité de reproduction et de grandir de l'espèce est très bas. Le taux de survie des bébés est bas. Alors c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles l'espèce est un peu vulnérable, parce que dans le fond, ça prend beaucoup d'efforts et du temps, et la quantité de survie des bébés n'est pas si élevée, alors la population ne se remplace pas assez vite. Alors, dès qu'il y a l'environnement change, qu'on perd des salamandres adultes, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour qu'il y ait des nouveaux adultes qui viennent et qui prennent un peu leur place. Quelles sont les menaces les plus dangereuses pour les salamandres? Les menaces pour la salamandre, c'est vraiment tout ce qui va changer les ruisseaux. Alors, tout ce qui va, si on prend de l'eau du ruisseau pour faire de l'agriculture ou faire toute autre activité, ça va nuire à l'écosystème de la salamandre pourpre. S'il y a des ruissellements des eaux qui ont des pesticides ou des chimiques qui vont rentrer dans l'eau, ça aussi, ça peut être une menace. On a aussi tout ce qui est la déforestation. Alors, quand on coupe proche du ruisseau, on va aussi créer un effet dans la salamandre, parce que les ruisseaux vont avoir moins de capacité de se remplir avec de l'eau qui est absorbée par les arbres autour, ainsi qu'il va être la température va changer parce qu'il y a moins d'ombre autour des ruisseaux. On parle aussi des traversées. Alors, dès qu'on fait des routes, on fait des ponts qui vont traverser un ruisseau, il faut les faire avec beaucoup d'attention, parce que si on ne le fait pas avec d'attention, avec des ponceaux réglementaires, ça se peut qu'on va changer aussi les ruisseaux comme tels des salamandres. Alors, c'est vraiment le changement des ruisseaux, alors de leur écosystème, ainsi que les coupures des ruisseaux, des fois, qui peut arriver. Si vous trouvez qu'il y a des menaces sérieuses ici, à la région, quels sont les aménagements que vous pouvez proposer? Alors, ça va dépendre de chaque menace. En général, on doit dire que beaucoup de ruisseaux où on est allé sont en très bon état. Puis les menaces changent beaucoup d'un endroit à l'autre. Alors ça peut être juste qu'il n'y a pas une bande riveraine. Alors ça peut être un aménagement des bandes riveraines qu'on peut faire. Ça peut être des ponceaux qu'on voit qui ne sont pas réglementaires, où il y a beaucoup d'érosion et ça crée de la sédimentation et ça change les ruisseaux. Alors on peut proposer des aménagements pour éviter qu'il y ait de l'érosion autour d'un pont, ou à aménager les ponceaux qui sont un peu brisés, parce que des fois les ponceaux qui sont brisés vont aussi créer un problème de coupure d'environnement. Si on voit aussi qu'il y a des drainages de l'eau qui arrivent dans les ruisseaux, ça va être aussi de parler au propriétaire, voir s'il y a une solution autre qu'on peut trouver pour que l'eau ne se rende pas dans les ruisseaux directement. Alors ça va être vraiment, ça va dépendre beaucoup de chaque menace qu'on trouve dans différents sites. Malgré les rares possibilités de trouver une salamandre pourpre lors des parcours, nous avons pu enregistrer les moments où l'équipe a trouvé une de cette espèce pour être analysée. Tu l'as vu? Oui, il est ici. Oh. Oh. Yay! T'as-tu besoin? Oui, j'ai besoin d'aide. OK. Oh, j'ai l'air. Oh mon Dieu. OK, qu'est-ce que... Oh, la salamandre pourpre? Oui. Oh my God! Fallait que t'en parles. OK, je vais aller chercher...
On est toujours vraiment contents quand on la voit. Whoopi! On va vous la montrer tantôt plus clairement, mais je vais essayer de... Je sais pas si vous voulez la voir dans les pucettes. On peut la voir un peu. Mignonne comme tout. Il y a déjà de l'eau dedans. Alors, on va la mettre dans les piscettes ici. Peut-être qu'on va la mettre plus en bas au cas où on l'échappe. Attends, on va faire ça de l'autre côté. Est-ce que tu veux que je la... On va la mettre. Ok, elle est là. Elle y est presque. Elle y est presque. Et okay. Voilà. Puis on n'y a pas trop mis de... Oups. On y a mis un petit peu de... Ouais, il y a beaucoup de sédiments. Ouais. En tout cas. Attends, on va nettoyer ça un peu. Juste pour que vous puissiez la voir assez bien. Parce que je pense qu'on a... On a mis trop de débris dans l'eau. Je vais essayer de la nettoyer après moi. Ok, alors je vais vous montrer la salamandre pourpre. Je ne sais pas si vous pouvez la voir assez bien. Celle-ci, elle est petite parce que la salamandre adulte, elle peut se rendre jusqu'à 15 cm, même plus des fois. Celle-ci, elle mesure 10 cm. Comme vous pouvez voir, elle est beaucoup, comme elle est rose, sa queue, elle est très aplatie, ce qui l'aide à nager très bien dans l'eau. Puis elle a une blessure, on voit une blessure dans le milieu de son corps. On ne sait pas trop c'est quoi exactement. Les salamandres entre elles sont très territoriales, alors ça se peut que ça a été une bagarre avec une autre salamandre. Elles peuvent manger d'autres salamandres, surtout la salamandre pourpre, elle mange les salamandres de la même espèce, alors elles peuvent être cannibales. C'est aussi un de ses rôles d'importance, elles sont comme un peu dans... Elles vont manger beaucoup d'autres espèces de salamandres pour garder un peu l'équilibre dans les ruisseaux. Puis, je sais pas. Ouais, c'est la blessure qui m'inquiète. Ouais, ben j'ai écrit lésion cutanée, tache noire sur le dos. Oui, puis on va la prendre en photo. Alors, chaque fois qu'on prend une salamandre pourpre, on prend un point GPS, le point exact où on l'a trouvé, on va la mesurer, puis on va prendre des photos. Puis on va prendre des notes par rapport à des choses qu'on observe. Alors, vu qu'on voit qu'elle a des blessures, on va prendre des photos de la blessure, puis on va l'écrire. Mm. Ouais. Alors, nous, dans cette recherche, on veut savoir si la salamandre pourpre se trouve dans certains ruisseaux qu'on étudie. Puis, on veut identifier toutes les menaces qui peuvent se trouver dans les ruisseaux. Et si on identifie des menaces, on propose des solutions, des aménagements qui peuvent être faits pour améliorer l'environnement de la salamandre pourpre. On ne va pas les capturer pour les reproduire parce que dans le fond, mais pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est aussi que ça prendrait très longtemps. La salamandre pourpre, elle reste dans l'état des larves, alors des bébés, pendant 4 ans. Alors c'est très long avant qu'elles deviennent des adultes. Puis elle devient juste assez mature pour pouvoir se reproduire après 4 à 5 ans. Puis elle vit jusqu'à 10 ans, à peu près. On fait les inventaires des occurrences, mais on fait aussi les inventaires des menaces. Alors, on vient toute une autre journée, puis on marche tous les ruisseaux où la salamandre a été trouvée. Et on regarde tout ce qui se trouve autour. Alors, on regarde tout ce qui peut être des menaces ou même des choses qui peuvent être positives. Alors, on regarde les types d'environnement autour du ruisseau. On regarde s'il y a des bandes riveraines, s'il y a des maisons à proximité, s'il y a des champs, s'il y a de la coupe forestière. On regarde toutes sortes de... C'est quoi les activités? On caractérise vraiment tout ce qui se passe autour du ruisseau. Et on identifie ce qui peut nuire à l'environnement de la salamandre. Alors, tout ce qui peut changer les ruisseaux, ça va être des choses qui peuvent impacter l'espèce. Alors, quand on voit qu'il y a comme quelque chose qui peut nuire, on prend un point, on regarde tous les paramètres physico-chimiques. Alors, on regarde la température de l'eau, les pH, la conductivité, voir si ces activités-là peuvent affecter la qualité de l'eau comme telle. Et après, on va aussi voir si...
on peut repérer des solutions qui peuvent être faites. Alors, si jamais à l'espèce, disons par exemple dans cet insecte-là, on voit qu'il y a beaucoup de salamandres, puis il y a des salamandres pourpres, si on voit qu'il y a une menace proche d'ici, on va donner une priorité à cette menace-là pour proposer un aménagement proche de là où se trouve la salamandre. À la fin de cette recherche, combien de kilomètres vous allez parcourir, plus ou moins, combien de heures de travail ça va prendre pour connaître les vraies menaces qu'il y a dans la région? Alors, pour ce projet, on fait un inventaire des menaces, puis un inventaire des occurrences. Les inventaires des occurrences, ils sont précis à un temps de l'année. Alors, il faut que ça soit froid et que les feuilles d'automne ne soient pas encore tombées, parce que si les feuilles, elles tombent, on ne peut rien voir. On les fait dans un cadre de 2 à 3 semaines, où on y va pas mal, presque à tous les jours, pour regarder les salamandres, alors voir les occurrences. Puis, pour ce qui est l'inventaire des menaces, on peut aller n'importe quand dans les temps de l'année, puis celles-ci vont nous prendre par parcours, ça va nous prendre au moins une journée par parcours, puis on a fait jusqu'à date 8-7, il nous manque encore 2. Alors les tout, ça va prendre quand même plus d'un mois, un mois et demi de travail de terrain, d'être dans chacun des sites, de bien regarder tous les paramètres de qualité d'eau, d'environnement, ainsi que de voir toutes les roches qui se trouvent pour trouver, ou les plus de roches possibles pour trouver les salamandres. Et quand tu parles des paramètres, bon, quelles sont les étapes quand vous amenez comme les preuves de l'eau, de tout ça, qu'est-ce qui se passe après? Oui, alors on va faire une analyse de tout ce qu'on a trouvé dans tous nos sites. On va comparer nos données des menaces aussi avec nos données des occurrences pour voir quels sont les sites prioritaires, où est-ce que ça va être plus important de faire des aménagements. Et on va prévoir quels types d'aménagements sont possibles et évaluer quel type de menace est vraiment importante dans les cas spécifiques de la salamandre pourpre. Alors ça va être tout un temps d'analyse des données avec des cartes, puis avec de mettre tout ensemble dans le fond pour voir quels sont les paramètres les plus importants à tenir en considération quand on fait nos aménagements. Et Laura aussi, et comment est soutenu financièrement les projets? Alors, ce projet est soutenu financièrement par Environnement et Changement Climatique Canada dans le cadre de l'intendance de habitat des espèces en péril, ainsi que par la Fondation de la Faune dans le cadre du programme de Faune en danger. Alors, on reçoit des financements de ces deux programmes pour les projets dans les prochains 2 ans. Laura, quelle importance a aussi la sensibilisation? Comment vous faites la sensibilisation sur les salamandres? Oui, alors pour tous les endroits qu'on va visiter pour la salamandre pourpre, on va contacter tous les propriétaires des terrains, mais on a déjà contacté les propriétaires des terrains des occurrences de la salamandre, puis on va leur offrir un cahier des propriétaires. Les cahiers des propriétaires permettent de donner toute l'information sur les espèces qu'on a trouvées sur place, mais aussi sur la salamandre en général, ainsi que des recommandations sur des choses qu'eux, ils peuvent faire pour l'espèce, pour améliorer son habitat ou pour ne pas les nuire. Et idéalement, on va aussi vouloir pouvoir parler dans des entrevues comme celle-ci pour que les gens puissent connaître plus l'espèce, parce que c'est vraiment pas connu comme espèce. Je pense qu'il y a quelque chose de charismatique dans une espèce de salamandre, puis quelque chose d'important aussi d'en parler de ces espèces qu'on ne voit pas, mais qui sont présentes puis qui sont aussi importantes dans notre environnement. Même si les gens ne voient pas souvent la salamandre pourpre, quelles sont les recommandations que vous donnerez aux gens pour faire attention et conserver l'espèce? Je pense que d'un côté, juste connaître les salamandres, c'est important. Si vous êtes curieux, allez regarder des photos ou allez voir des roches peut-être proches de chez vous, juste pour pour avoir de la conscience que cette espèce-là existe. Puis après, je dirais vraiment de prendre soin des ruisseaux qui se trouvent près de chez vous. Ne laissez pas de poubelles. Si vous voyez des poubelles dans les ruisseaux, vraiment de les prendre ou vraiment juste vous assurer que si vous habitez à côté d'un ruisseau, qu'il y a rien que vous faites qui peut vraiment nuire à ces ruisseaux-là, parce que ça va affecter les salamandres, mais ça va peut-être sûrement affecter d'autres espèces aussi. Est-ce que les déchets... Est-ce que
Et peut-être les insecticides, je ne sais pas, qu'on utilise quotidiennement, ça peut aussi menacer l'espèce? Oui. Alors, si on jette tout ça dans les ruisseaux, bien sûr que ça va avoir un effet, vu qu'ils sont aussi sensibles. C'est important de ne pas jeter rien dans les ruisseaux directement. Et puis, si jamais vous êtes proche d'une salamandre et que vous voulez la toucher, idéalement, on évite beaucoup de toucher trop les animaux si jamais on ne les connaît pas, juste parce que des fois, on ne veut juste pas les déranger. Mais si c'est le cas, de toujours s'assurer de ne pas avoir les mains remplies de chimiques, de vous laver les mains, qu'elles soient mouillées, parce que ces espèces-là, elles respirent par la peau. Alors c'est très important, si on les touche, de faire ça vraiment avec beaucoup de conscience. Si vous savez pas, c'est pour ça que je dis, si on ne sait pas, si on ne connaît pas sur les espèces, c'est mieux peut-être de ne pas aller les toucher pour ne pas les nuire, puis peut-être pas non plus pour nous faire du mal. Mais ouais, et de faire toujours attention avec nos chimiques, parce qu'on peut avoir des chimiques qui peuvent lui faire du mal. Laura, et qu'est-ce qui arriverait si la salamandre disparaît? Oui, alors il y a d'autres espèces de salamandres. C'est difficile de dire exactement ça serait quoi l'impact d'une espèce quand elle disparaît. Mais c'est sûr qu'il va avoir tout le temps quelque chose qui va changer dans son écosystème quand une espèce part. Surtout si dans les cas des salamandres où elles sont vraiment comme des prédatrices importantes dans les ruisseaux, c'est elles qui vont vraiment manger d'autres animaux plus petits. Alors c'est elles qui vont vraiment aider à réguler un peu les populations dans les ruisseaux. Et elles aussi sont de la nourriture pour d'autres espèces. Alors il y a quand même, quand une espèce disparaît, il y a un équilibre qu'on est en train de briser. Puis les ruisseaux vont beaucoup changer. Ça, s'il n'y a pas de salamandre, il y aurait probablement des changements dans les populations d'insectes, puis d'autres espèces autour. Mais c'est difficile de quantifier cet effet-là en général, dans les espèces qui disparaissent.